بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ الله سبحانه وتعالى accepte notre jeûne, qu'il agrée nos bonnes actions, qu'il nous pardonne nos péchés. Toujours sur le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal, vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. On avait évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants. Et le bienfait, le fait de se repentir. Maintenant, c'est quoi les conditions du repentir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir? C'est quoi maintenant ces conditions? Premièrement, c'est d'accepter qu'on s'est trompé de chemin. On s'est trompé, accepter qu'on s'est trompé. Car le fait de ne pas accepter déjà le fait qu'on s'est trompé du chemin ou qu'on a manqué de notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si la personne est devenue orgueilleuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est l'homme excellent, qui excelle dans le bon comportement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié comme étant « Wa innaka la'ala khuluqin azim ». On ne peut pas avoir plus en tant qu'être humain. Mais même lui, il disait qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le pardonne minimum 70 fois par jour. Dans une version, 100 fois par jour. Deuxièmement, le regretter. Quand on accepte, on regrette. Vous avez vu, c'est des étapes qui nous poussent vers le repentir. J'accepte que je me suis trompé, j'ai fait une faute, j'ai un défaut. Je regrette d'avoir ce défaut, ce qui va me pousser justement à quitter, c'est la troisième étape, à quitter le péché pour aller vers le repentir. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Parfois, on peut penser, on peut imaginer qu'on ne fait pas de péché. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Takathur, « ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes par rapport aux bienfaits qu'il nous a accordés. C'est vrai, parfois on peut s'abstenir de faire certains péchés. Surtout les grands péchés. Mais le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant comme il se doit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ » Peu d'entre mes serviteurs qui me remercient. Ne serait-ce que ça suffit comme péché. Le fait de ne pas être reconnaissant envers Allah azza wa jal comme il se doit. Donc, on a besoin de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander le pardon par rapport aux grands péchés, aux petits péchés, mais aussi le fait de ne pas être reconnaissant envers lui comme il se doit. Donc, une fois qu'on a accepté notre défaut, on l'a regretté, on le quitte sur l'instant même, en ce moment, on prend une décision ferme de ne plus refaire le péché, de ne plus revenir sur ce défaut. Un engagement entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on demande que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Si c'est un péché qui est entre nous seulement et Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande le pardon et il va nous pardonner, subhanahu wa ta'ala, du moment qu'on est sincère dans notre engagement. C'est
si c'est un péché qui est entre nous et Allah, mais aussi envers ses serviteurs. Car si on est injuste envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une part d'Allah azza wa jal dans ce péché. Donc il faut réparer la faute entre nous et la personne, entre nous et la créature d'Allah azza wa jal, qu'il soit une personne, un humain, ou un animal, ou la nature. Par tout ça, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous demande d'être juste envers ces créatures, pas que les humains. Là, ça ne suffit pas seulement de demander à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il faut qu'on demande aussi ces créatures et réparer nos torts envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera, mais aussi multiplier les bonnes actions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa atbi'i sayyi'at al-hasan tamhuha » Quand tu fais un péché, tu demandes le pardon, suis le péché par une bonne action qui va l'effacer. Donc voilà les étapes pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand on commet des grands péchés, et surtout quand on fait un péché envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on va gagner l'amour d'Allah azza wa jal et son pardon et espérer le paradis. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'il fasse en sorte qu'on soit des serviteurs qui cherchent son pardon, qui cherchent son amour, qu'il accepte nos bonnes actions, qu'il nous pardonne. Wa barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.